Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va dingue? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite decklist de standard. Voilà, le standard, vous l'avez vu dans la vidéo précédente qui est sortie vendredi dernier, le standard a été totalement remodelé avec les bans Reshape. Reshape. Donc du coup on cherche entre guillemets le meilleur deck. C'est sympa parce que ça crée une nouvelle effervescence, un engouement, on cherche. C'est comme si on avait un nouveau méta alors que normalement la rotation arrive. Et ben, c'est plutôt pas mal, ça va nous permettre d'apprécier ce standard pendant l'été. Du coup on cherche les nouvelles decklists et nous on a trouvé une qu'on vous a plus ou moins présenté dans la vidéo des bans. Et on va la tester parce que franchement elle est jolie, elle est bien pensée, elle fait plaisir cette decklist. Elle vient du Twitter d'Andrea Mengucci. Elle vient du Twitter d'Andrea Mengucci, allez suivre Andrea Mengucci si vous ne le suivez pas encore. C'est très rigolo, il y a plein de selfies, Ouais. de bouffe, de deck magic, c'est trop bien. Selfie de bouffe, genre il prend la bouffe, il la met là, là devant sa tête. Il fait comme si c'est la glace qui se prenait en photo. Il dit des gelato selfies. Ce gelato, c'est glace, forcément Il italien. est trop fort. Avant du coup de présenter cette petite decklist, comme d'habitude, le code Valépiel 2020 sur boutique Magic Bazar, pas Magic Mazar, Magic Mazar, ça ne marche pas. c'est. Bah, vous pouvez essayer, mais c'est pas le même site, quoi. Ouais, mais en vrai, vous tapez Magic Mazar, ça marche. Je suis sûr, Parce il y que a un moi, truc. je tape tout le temps Magic Bazra. Parce que je tape vite, tu vois, sur Google, Magic Bazra, et ça me trouve. Il me dit, oui, tu veux dire ça? Mais bien sûr que je veux dire ça. Bien sûr, Il évidemment. est intelligent, Google. Du coup, qu'est-ce qu'il vous donne, ce petit code Valépiel 2020? Il vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires au moment où vous utilisez le code par rapport au montant de votre panier. On le rappelle, 1 € égale 1 point, 150 points, 5 € de bon achat dans la boutique. Régalade. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront. Ça nous soutient. Et code créateur Magic Arena FR sur boutique Epic Game Store, bien entendu. Et ça marche avec Rogue Company, qui est un très bon jeu. Voilà, je le dis parce que j'y joue en ce moment. Régalade. Ok. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça, que c'est? Qu'est-ce que quoi que c'est? C'est un deck aggro Bien. qui vient un petit peu de. Alors, je sais pas s'il vient de Michael Jacob. En tout cas, on a vu au Player Tour Finals, Michael Jacob jouer une version Mardu avec des kits self-rebooters et des interactions noires pour essayer de battre Temur Réclamation. En l'absence de Réclamation et surtout de Teferi qui ont été bannis, eh ben, il y a le grand retour de Tybrez. Du coup, si on veut jouer Tybrez, on ne peut pas se déstabiliser en tricolore. On veut une mana base plus saine, on veut pouvoir payer le double rouge, et on veut un deck beaucoup plus rectiligne, qui va être un petit peu plus orienté sur Winota, avec un petit peu moins de disruption de main et de deck contrôle, entre guillemets, qu'apportait le Mardu Winota. Mais voilà, un plan de jeu beaucoup plus solide, avec des patrons de la Légion. Ça fait plaisir de revoir cette carte, moi je Régalade. l'adore. Et des Tybrez. Le deck, ce qui est trop bien, c'est qu'il a un petit peu les forces de Mono Blanc et de Mardu Winota de Michael Jacob. C'est-à-dire qu'il est très résilient à Wrath, que ce soit avec le Ouais. Sauveteur Dévoué, que ce soit avec fin de tour sonner l'alerte, que ce soit avec le Ripop de Percepteur de Nîmes, que ce soit avec les Lieutenants de Basserie qui, en plus, va faire des procs sur toutes vos créas parce que tout le monde a des marqueurs, notamment avec le Mentor de Tajik aussi. Vraiment, c'est un deck qui est très résilient à Wrath et au bout d'un moment, quand vous avez 2-3 bêtes sur le board, faites Winota, bah, comme ça là. Alors, rappel de ce que fait Winota, pour ceux qui Et ça ne gagne. connaissent pas la carte. Donc 4-4 pour 4. À chaque fois qu'une créature non humain que vous contrôlez attaque, vous regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Donc si vous attaquez avec plusieurs créatures non humains, vous regardez plusieurs fois les 6 cartes du dessus. Et à chaque fois, pas les mêmes 6 cartes, hein, bien entendu. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé attaquante une carte de créature humain, celle-ci. Parmi elles, la carte indestructible jusqu'à la fin du tour. Mettez le reste en dessous dans un aléatoire. Vous pouvez mettre une Winota attaquante alors que vous venez de poser Winota. Vous sacrifiez du coup la Winota que vous avez posée pour conserver celle qui attaque. Et le but, c'est d'avoir un mix entre créatures humains et non humains. Humains, du coup, pour les trouver sur Winota, et non humains pour activer son effet. Donc, tous les early drops, en fait, on veut que ce soit non humain. Typiquement, Sauveur Dévoué, Brute, Grand Serpent. Sonnez l'alerte, ce ne sont pas des humains, ce sont uniquement des soldats et patrons de guerre qui va créer des tokens non humains. Et on veut trouver des humains à prix un peu plus cher, comme Tajik et Lieutenant de Basserie. Percepteur de Dîmes est un peu l'exception parce que c'est un early drop, mais ça permet de disrupt certains decks, notamment les Simic Flash qui sont par-ci par-là. Et également, ça fait un repop qui est non humain. Donc, C'est si ça ça. meurt en early, c'est pas grave, puisque du coup, ça va trigger le Winota avec, en attaquant, parce que c'est un esprit. Ce deck-là, il est quand même extrêmement bien pensé. Il est extrêmement ce qu'on appelle résilient, c'est-à-dire capable de revenir de situations un peu complexes, de revenir notamment Il ne d'anti-bêtes meurt de pas sur masse. une carte. Ouais. Il ne meurt pas sur un anti-bête de masse. Et il a l'air vraiment très fort face au plan de jeu linéaire, le plan de jeu un peu combo Winota. Déjà, ta curve, elle est agressive naturellement, donc tu peux juste gagner sans Winota. Je veux dire, des sorties dans Sauveteur Dévoué, dans Percepteur de Dîmes, dans Patron de Guerre. Des fois, l'adversaire, il va commencer à ramper, il n'a pas de gestion au début de partie. Bah, déjà, il est dans le mal. Ensuite, le temps qu'il trouve une Wrath et tout, bah, toi, tu as eu le temps d'assembler des cartes un petit peu puissantes comme Lieutenant de Basserie. Un moment, tu vas trouver une Winota, tu as un ou deux procs, tu as Tybrez qui peut aller finir l'adversaire. Bah, je trouve que la liste, elle est grave bien pensée. Après, Mengucci, voilà, c'est pas n'importe qui. Elle est grave linéaire, elle coûte pas trop trop cher. C'est vraiment pas un craft qui est trop compliqué à faire si jamais vous voulez vous amuser cet été. Attention, certaines cartes passent pas la rotation. Je pense à Patron et à Tajik. Pour le reste, ça devrait le faire. Et Percepteur de Dîmes.
Mais voilà, vous craftez pas des mauvaises cartes qui sont réutilisables dans d'autres decks, qui sont plutôt des bonnes cartes. La mana base, elle est pour un deck bicolore à peu près solide. Je dis à peu près parce qu'on voudrait avoir 4 bilans de plus qui arrivent dégagés. C'est pas possible. Mais ça reste un vrai bon deck qui On en s'en plus sort. a un bon side, quoi. T'as des gens Krakos contre aggro, des brises boucliers contre Temur Clover, des bagarres de bonnets rouges contre mono red, des tueurs de géants contre les plans de jeu mono vert aggro qui existent toujours ou des plans de jeu gros créatures, éclairons assourdissant pour les mirrors ou alors les decks mono blanc, les decks monocolores comme mono red qui vont jouer plein de petites créatures. Enfin, je pense que c'est un très très bon deck de ce début de format. On va Grave. aller tester ça Et bon, on va tester ça sur le live. de suite. Pouf. Pouf. Pour le problème entre guillemets de Land, c'est un peu moins le cas. Enfin, le deck a toujours souffre de ça, mais c'est un peu moins vrai puisque le format a l'air de un peu se ralentir puisqu'il n'y a plus de deck combo maintenant qui peut entre guillemets te prendre de vitesse et on cherche pas à aller non plus plus vite que ce deck combo. Non, c'est Du sûr. coup, c'est un peu moins peinant, tu Mais vois. ça peut te poser des problèmes de curve et des problèmes de mana. C'est-à-dire que par exemple, en fait, là, ce qui se passe dans ce deck-là, le seul truc qui n'est pas fonctionnel, c'est que tu vas jouer plus de terrain rouge parce que ton Umbercleave est double coloré, quand bien même tu as beaucoup plus d'early drop blanc. Et donc pour compenser ces problèmes de couleur, on joue quand même des Ginger Brut et des Serpent and Rock. Donc tu C'est sens qu'il y a sûr. quand même des adaptations à la mana base qui n'auraient pas été faites habituellement. On aurait plutôt eu des comment ils s'appellent les Ravières Dominguez, des champions fervents peut-être, si la Comment ils mana s'appellent les base Ravières Dominguez? ça tu vois Mulligan. Dommage, hein, parce qu'on a de quoi faire, mais trop lent, quoi. Ouais. Donc t'as quand même des adaptations. Et là voilà exactement ce que j'allais dire. T'as des Ouais, mains cas de aussi figure, ouais. avec Temple, qui fait que tu peux pas faire tour 1, tour 2 dans tour 3. Il y a forcément un tour où tu vas décider de pas curver. Je crois qu'on enlève Tybreeze ici. Moi je pense que t'enlèves plutôt un. Non, quoique le land est Ou pas sauveur mal. dévoué peut-être? On peut faire ça, tour 2, tour 3, Tybreeze. Ouais, j'aime bien, enlève le sauveur, ouais. On va essayer d'avoir sur la game 1 en tout cas la sortie la plus active possible et on ne veut pas se land je Non, on le crois. veut pas. On n'a pas besoin de double blanc en plus. Donc, effectivement, c'est pas horrible, on peut quand même jouer ce deck-là, mais on n'a pas les meilleures mana bases du monde non plus, quoi. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué un standard. Oh bah tiens. Ça se curve bien avec Percepteur de Dîmes aussi. Ah, parfait, on joue contre Sultai Control, qui est un des decks que vous allez le plus voir sur le ladder, et je pense qu'on a un bon deck pour battre Sultai. Ouais. Alors là, oh, si je fais Tagique, je mets 6 points et je peux quand même Tybreeze tour d'après. Ah, mais si tu fais patron et que tu Sur. trouves un land, t'as gagné sur Winota. Ouais, c'est pas faux. On va pas trop ici. Je pense qu'on va essayer de En plus, faire. non, je disais je Tybreeze tour d'après, mais il fallait que je trouve un land quand même. Donc. On va faire Oups, I win. On va essayer. Et en plus, on peut. C'est juste là, si Là, tu peux juste Tybreeze. on n'a pas land, on peut juste Tybreeze déjà. Donc là, faut pas qu'il ait Cry of Carnarium. Oh, c'est bon, il est mort. Donc là, il s'offre à L'erreur. nous. L'erreur du joueur ramp. Aïe, 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 aïe. On va chercher une île. Alors, on préfère des procs de Winota? Ouais, je pense. Ok. Franchement, ouais, parce que si jamais il a une Vraas et que tu trouves un Basri Lieutenant, Franchement, bien. ça va être cool là. On attaque avec tout. Vous voyez pourquoi ce deck est bête? 3 procs, on met un marqueur là-dessus. Et on va trouver une Une Winota. Winota. On va garder Celle qui attaque. celle-là, ouais. Un Un Basri. Masri Lieutenant. Attaquant, on va mettre un marqueur sur quoi? Tu veux protéger ta Winota ou ton patron? Bah tu protèges pas, t'auras juste un repop en fait. Ouais, mais du coup, Est-ce qu'est-ce qu'elle est que plus tu veux pas qu'il susceptible de tue? mourir? Bah je pense qu'il va plutôt tuer ça. Ok. Parce que Winota a déjà fait son office. Et un percepteur qui aura du coup un repop De toute supplémentaire. façon, on a gagné en fait, tu vois, pour ton Oui, bah enfin, compte. on a gagné genre Mais c'est pile. tellement bien, quoi. On a gagné pile, Il donc est tellement c'est pas fou, en ce mode deck. pff, large. Ah bah si, bah large, Bah mais large, il a large. 0. Pas 0 celui-ci. du tout. Je crois que tu veux des tueurs de géants contre les Uro. C'est tout. Genre deux Alors, tueurs de je vais géants. zoomer déjà. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux pas? Il va commencer, donc Percepteur, c'est peut-être un peu bidon. Ouais, mais ça fait quand même un proc, hein. Moi, j'enlèverais les deux brutes de pain d'épices. Ouais, ok. Pas un troisième. Non, je pense qu'on est bien. En vrai, on est déjà tellement pré-sidé contre ces decks-là. Tout le reste, là, c'est pour battre Clover et aggro. Ouais, bah en fait, on veut prédater ça, quoi. Ouais. Alors lui, il veut faire un peu Prédate de. fort. Je rampe, je rampe. Ah, j'ai un play fort, en fait. Attends, attends. Attends, bouge T'auras pas le pas. temps de T'es peut-être déposer le mort, en truc. fait. Tu te rends compte, le mec, il a fait culture. C'est la seule chose qu'il a fait dans sa game. Et il est mort. Il est mort. Mais j'aime bien ce deck. Moi, j'ai oublié. Il est bien. Quand on présentait les decklists dans la vidéo de vendredi, je me disais, oh, je vais jouer Sultai. Après, je me suis dit, oh, je vais jouer Temurek. Enfin, Temur Clover. Clover. Ah, je vais jouer Et Mardi maintenant, je me Boros dis, oh, je vais jouer Winota. Boros Winota. Et là, on le joue, je me dis, oh, je joue Boros Winota. Je me suis Rampe, rampe, permis rampe, hein, de rampe. prendre la souris sur Vas-y, celle-là. fais la 2. La 2, je t'en prie. On compare. Ok. Ouais, je ferai pas Je dis mieux. ça maintenant que t'as Mulligan. Je ferai pas mieux.
En vrai, moi, la sauce est montée. Hein. Ça n'avait pas sauce... une main de ouf. De ouf. Bon, t'avais tour 2, tour 3 avec Umbercliff, quoi. C'est vrai. Bah, t'avais quand même Umbercliff, whatever, au tour 4. Je peux montrer ça à YouTube? Oh, vas-y, montre. Parce que les gens de Twitch ont vu, mais ils n'ont pas encore vu YouTube. Alors? Ah, ça te va plutôt bien. C'est pas mal, hein? Ah, ça te va bien. C'est vrai que mais ça fait pas les reflets. Donc c'est ce ça que fait, je veux. Ça fait le reflet, genre quand tu es comme ça, tu vois. Mais ouais, sinon, ouais, mais c'est cool. Putain, je vais en commander. C'est bien, aussi. Quoi. Oh, achète, non, achète-en ouais, deux. J'achète. Ouais. J'ai enlevé le Selfless Warrior, j'aime pas. Ouais, c'est trop tard. J'aime pas. Moi, je suis plus chat, donc ça dégage. En plus, c'est l'argument non magique du tout. Quoi. Ce chien n'est pas beau. Ouais. Désolé, mais celui-là, il est pas beau. Il me fait penser au dragon sur son Tador, tu vois. Mais il a un côté. Là, ouais, ouais. Tu vois, ils ont un côté collègue. Ouais. Mais voilà. Les collègues relous. Là, tu les aimes moins, ceux-là. Gros, on lui fait encore une sortie à lui. Hop, j'enlève. Laisse-moi te dire que le sonner l'alerte fin de tour into Winota, ça va être bien. Ouais, il va pleurer. Hein. Non, bah, il peut jouer des cartes aussi, attention. De grosses larmes de sang. Mais il va jouer culture. Qu'on s'en fout, non. J'ai des lampes dans mon deck. Oh, bah, il y a un repop. C'est un non-humain. Il n'y a pas de problème. C'est mieux, c'est mieux si tu fais ça. Putain, il fait exprès de mal jouer ou quoi? Ah, ça va, j'allais dire, il aurait fallu que tu chattes en vrai pour faire Winota, mais c'est bon, comme t'as posé montagne. C'est bon, on est bien bon. Allez, culture, culture comme ça on se marre. Rien. Non, vas-y. Ah, rien, ça veut dire petite interaction. Hein. Bon, je vais avoir un petit basse-rillotte. Ouais, du bah, coup, basse-rillotte. Hein. T'en fous. À moins qu'il fasse quelque chose maintenant. En vrai, tu fais peut-être juste l'anti-braise là, non? Ah, s'il a une gestion pour Winota, genre un Gust, il aura le même pour Tybreath. Hein. Ouais, mais du coup, tu peux mettre Tybreath au-dessus. Et là, tu le prends qu'avec Winota, tu trinques. Après, Tybreath sur D1, franchement. Ah, mais elle est posée. Il est vrai, il est vrai. Ou tu peux juste attaquer. Moi, j'aime bien et activer Château, tu mets 6 points. Oh, ça, c'est vénère. Ça, j'aime bien. On joue à l'économie. T'as encore des cartes en main. Putain. Là, il a gardé des réserves et putain, il pourra rien il faire. Est bon, lui, là. Tu vois, s'il fait éliminer. S'en fout quoi. Ouais. Tour d'après, il fait Nissa, il est mort. Je call. Call. Zyclage de Typhon. Bah. Ok. Ah, mais attends, on peut bah là, du coup, tu vas Tybreath. Ouais. J'adore. J'ai vraiment l'impression d'être sneaky méchant, tu vois. Moi, j'ai l'impression d'être le mec. Quand t'es en train de réfléchir, tu te fais bourrer. Tu vois, et bah là, t'as le mec aggro en face qui était comme ça avec la carte. Il a Tybreath en main, il attend. Tu bloques? T'es prêt? Tu bloques avec la carte? Calme-toi, jeune. Il fait ok, je mets Tybreath. Attends, ne va pas trop vite en besogne. Moi, je m'en fous. C'est pas quoi. Grave. Moi, je m'en fous. Voilà. C'est pas grave. C'est passé, tu sais quoi. Putain, j'ai cru que ça exilait Tybreath. J'avais fait. C'est un peu fort quand même là, par contre. Monsieur, calmez-vous. Exiler les créatures et les trucs un peu proches des créatures. Voilà. Les trucs équipés dessus aussi, ça dégage. Pass real loot tonight. Pas s'emmerder. Une petite fombrie sacrée. Bonne bête toute seule. Bonne bête toute seule, effectivement. 4-5 vigies, ça un repop et tout. Bapouze. Après, c'est vrai que les repop avec événement d'extinction, tu repop pas grand chose. Eh, mais il doit mettre deux gestions. Oh là, en équipe, on va essayer de mettre 10. Hein. Tu prends pas Eliminate, tu prends pas Acte Cruel, tu prends, deux tu prends pas Gust. Et ouais, mais on s'en fout. Mais mec. Ouais, mais au-dessus. On s'en fout. Ok. Quoi. On va prendre plus tard. Oh, ce Basri Lieutenant qui va nous carry toute la game. Mmh. T'as mis l'an d'engagé ou pas? Non. Non. Pourquoi? Non, parce que si t'avais mis l'an de... Ah non, j'ai rien dit. Il n'a rien dit, ne l'écoutez pas. Je dis n'importe quoi. Ok, Nissa. Est-ce qu'on va aller la chercher avec Tybreath? Oui. Toujours aller chercher les Nissa. Moi, j'aime trop la carte pour ne pas la respecter. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois. Tu peux... 1, 2, 3, 4... Non. Ah, je peux pas faire les deux. De toute façon, j'ai pas de proc de Winota ici. Non, c'était pour faire château en plus, mais... Ça marche pas. On tente, hein. Bah ouais. S'il y a encore un Gust, c'est bien. Ok, donc pour 5, il a fait une 3-3. On pouvait le mettre à 1 aussi, mais... Et le truc, c'est qu'à 1, tu le laisses détaper eh avec plein de mana et forêt. S'il a une Krasis derrière... C'est ça, on n'a pas de bonne crusher. C'est horrible. On a pas de... Genre, il fait Krasis, il garde un peu de mana pour Gust ou pour Bounce. Solide. Je me permets, hein. On est d'accord, là. Mais d'un peu de loin. C'est quand même une demi-merveille, quoi. Mon détecteur détecte une merveille. Oh. Allons-y, Nappa. Ah non, mais il a pas de détecteur, Vegeta. Si, il l'a sur Namek. Ouais. J'allais dire, tu m'appelles Nappa, maintenant.
Ouais, mais Quand pourtant j'ai t'as des des cheveux. cheveux. Eh ouais, c'est con. Non, mais de toute Beats façon, Light. grosse erreur. Il n'y a pas de détecteur avec Nappa. Voilà, De toute déjà. façon, Voilà. cette phrase n'avait pas lieu d'être. Hop. Exactement. Je fais la une, tu fais la deux? Ouais, ça me va, pas de souci. Et Peut-être tu puis, préfères jouer side A, on toi. appelle Lancelot qui fait la 3. Il arrive comme ça, il saute, et il fait de l'appui sur la phase d'attaque, ensuite il se téléporte, il repart. Et non, il est pas là. Voilà. Nina. Bah tu vois, je me dis qu'Elspeth pourrait s'appeler Nina. C'est vrai. Pourquoi pas? Ça fait toujours un peu russe, Elspeth, en plus. Oui, c'est vrai. Effectivement. Ça dégage. Bon, ça a dégagé, Après, ouais. tu peux mettre deux embercles sur le chien, il met sous ses papattes comme ça. Puis C'est il bute un Ronron mec. Oazoro après, tu vois. Genre, il y en a une dans la bouche comme ça. C'est vrai que le mec, il s'est dit deux épées, c'est pas assez. Je vais prendre à manier trois épées. Ouais, je vais en mettre une dans ma bouche. Et je bougerai vite, comme ça, les gens penseront que C'est c'est efficace alors que ça ne l'est pas. parce que c'est un objet phallique. Ah ouais? C'est phallique une épée? Bah, un peu, ouais. Le manche, en tout Qu'est-ce que tu fais de tes cas. épées? Percepteur, ça dégage? Ouais, je sais Et pas. peut-être là, on a un drop 1, Ouais, c'est plutôt un drop 1 qui dégage, hein. peut-être que c'est Enlève grand le serpent, serpent. ouais. Ouais. Ok. Oh, il joue encore les couleurs de la défaite là. Ça c'est lent, ça c'est mou. Eh ouais, c'est mou. Même Putain, le s'il y a des mec il petits joue chats. tour 1 lente Oh, tapée, fini. mais on a gagné gros. Il y a des petits chiens, on a des petits chiens. Après, toi t'aimes bien les petits chats. Oui. Un petit chat. Mais bon. Oh, il joue Grixis contrôle. C'est nous best en face. Bah écoute, on va le punir. Je vais Oh, tu joues fonderie. percepteur, tout Percepteur. ce qui Ça repop. l'oblige à utiliser son spell maintenant. Ça. Ou pas. Sa spirale de croissance. Son... En fait là, il est obligé d'utiliser son anti-bête pendant son tour. S'il veut pas tuer Ça. le chien. Wow. Et nous on pourra protéger le percepteur de Dim. Tour d'après, en plus on a 2 tours pour trouver encore un land. On peut faire patron dans Winota. Ça peut aller très très vite cette histoire. Ouais, on joue combien? 24 landes? Ouais, je pense que la question elle est vite répondue là. Bah, elle est vite posée. Elle est très vite posée. Et la réponse, à mon avis, elle va pas tarder non plus, quoi. Là je le sens fébrile C'est là. ta fin, oui. Tu vois. Vite posée, vite répondue. Veux manger quoi? Des pâtes. C'est parce Sais que que ça moi fusionne. quand on me demande ce que je veux manger mais que je n'ai pas faim. Tu dis des pâtes. Non, je suis incapable de répondre. Mais moi-même, quand j'ai faim, des fois, Tu vois, je sens genre, surtout l'été. l'après-midi, avec ma chérie, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et si je n'ai pas faim, je suis là en Ah, mode, c'est pas oh, possible. je veux Mais rien c'est le manger. moment où il faut faire les courses. Eh ouais, mais Parce que on... si tu fais les courses quand t'as faim, mais t'achètes de la merde, Oui! mais tout quoi. Évidemment, mais moi, du coup, quand je fais les courses et que j'ai pas faim, bah, j'achète rien. Et du coup, je suis déçu. Je te propose. Temple. On attaque. Fin de tour ça. Ouais. Et au tour prochain, Ok, Winota. ça me va. Que tu vois, des fois... Elle me dit en mode, tiens, est-ce que tu veux. Tu vois, on fait les courses à deux sur Chrono Drive. Elle me dit, ouais, tu veux des gâteaux et tout. Oh, les mecs font sur Chrono Drive. C'est Vous l'habitude avez du raison. coronavirus et on l'a gardé en vrai. Et vous avez raison. Et j'ai pas faim. Vas-y, bottom ça. Bottom, bottom. Et du coup, j'ai pas faim et je suis là en mode, non, tu sais quoi, je veux pas de gâteau, je m'en cague, tu vois. Ouais. Et quand je reçois les courses, Putain, j'ai pas de gâteau. putain, j'ai pas de gâteau, quoi. Et t'as le Alors que DM. c'est moi le con, tu vois, dans l'histoire. Ah, mais je comprends. Donc voilà, qui est capable de faire ses courses ou de prévoir ce qu'il va manger quand il n'a pas faim? Les En ne faisant pas à chaque fois les mêmes les courses. cuistots peut-être. Attention. Parce que ceux qui font toujours les mêmes courses, c'est facile. Eh oui, c'est vrai. Non, nous on essaie Tu crois qu'il comprend de ce qui va se varier. passer? Je pense qu'il Moi, comprend. j'aurais bien gardé la Winota quand même. Par quoi? S'il me la tue, me la contre ou quoi. C'est pas grave, tu mets un max de points près de chez toi. Ouh, Encore mieux. soir. En vrai, j'aurais pu juste saucer là. Je mettais 1, 2, 3, C'est 4, vrai 5, que t'aurais 6, dû 7, saucer. 8, 9. Ouh là 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 là. Attention, faut répondre maintenant. Mais même s'il répond maintenant, il prend quand même masse de points en fait. Ok. C'est tellement gentil. Et en plus, non, il pouvait pas répondre. T'avais un sauveteur dévoué. Hein. Bah, il pouvait gust ou surge Ah sur oui. nous. Bon, en vrai, il est déjà à 9. Est-ce Je que lui c'est fais pas le meilleur deck, cracher quoi? un emprunteur. Mais il se dit, vas-y, je garde pour jouer à En Winota. parlant de tout le temps manger la même chose, est-ce que toi aussi, quand t'étais jeune, tes parents t'achetaient. Genre, il y avait un goûter que t'aimais bien, un gâteau que t'aimais bien. Mais mec, mais c'est sûr. Ça, Mais c'est moi, les ça marchait mamans. pour tout. Ça, c'est les mamans. Il y avait un truc, genre, moi j'étais un enfant difficile. Du coup, quand il y avait un truc que j'aimais bien, elle me Mais l'achetait, pareil. mais tellement longtemps, et à la fin, je le mangeais plus, tu vois. Ah Genre, ça ouais. restait dans les Moi, j'ai eu placards. un dégoût de certains trucs Mais oui. parce qu'en fait, c'était. Bah, ah oui, bah tu manges ça. Bah, je t'ai acheté ça parce que t'aimes bien. Oui, Mais t'aimes mais bien? Oui, mais ça fait j'aime 2 ans. bien d'autres choses aussi. Voilà. Et ça fait 2 ans, donc. Mais ça fait 2 ans que tu m'achètes ce gâteau, j'en ai plein le cul, tu vois. Et t'oses pas le dire parce que c'est gentil. Et oui. L'attention est bonne. Mais moi j'avais le truc aussi. Tiens, je t'en prie, tu peux s'aider. Ah oui. J'avais le Il truc jouait quoi de déjà? J'ai pas vu ce qu'il jouait. Grixis avec un emprunteur. Voilà, il a joué une carte, il est Allez, mort. un excentrique. Franchement, le Val adolescent serait fier de nous là. Atto, c'est trop bien trop facile.
Moi, quand je disais que j'aimais pas un truc, par exemple, elle cuisine, elle tente, elle me dit, bah, goûte, est-ce que tu aimes? Et je disais, j'aimais pas. Elle mettait un an avant d'imprimer. Ah Et oui, genre, et ça c'est l'effet typiquement, inverse du coup. le genre, il y a un truc que j'aime pas, Mais je c'est t'ai dit que l'ail, j'aimais tu vois. pas. Genre, Ah bon? le goût de l'ail, quand c'est prononcé, j'aime pas, tu vois. Et elle faisait quasi tous les dimanches le rôti piqué à l'ail. Donc, plat sympa. Sauf que, ben, genre, il y a vraiment des gousses d'ail dedans et moi, je déteste. Donc, je lui disais, eh, j'aime pas en fait. Et quand je mangeais pas beaucoup, elle me disait, ah bon, t'aimes pas le rôti? Tous les dimanches. Et au bout d'un moment, elle a arrêté, elle dit, ouais, parce que je sais que t'aimes pas le rôti. J'ai envie Ah, de dire, oui, ça oui. fait un an que je te le Mais dis. c'est pas le rôti que Tous j'aime les pas, c'est dimanches. l'ail en fait. C'est l'ail. Tu peux faire le rôti. Je dis juste, ne mets pas Les d'ail. enfants ingrats qu'on était, quoi. Mais je ne lui en Ben, voulais faut pas. nous comprendre, Ah, moi, voilà. je n'ai jamais rien dit à ma mère. Hein. Ah, moi non plus. Toujours en mode, Merci, tu je subis, tu vois. Genre, vois. bah, du coup, je vais manger, Ouais, mais il y a de l'ail et je suis d'ail, quoi. j'aime pas tes masques, Mais c'était juste le fait de me dire, quand je disais que j'aime un truc, c'était à fond. Et ouais. quand je disais que j'aime pas, eh ben, elle continuait quand même, tu vois. Donc en fait, il y avait une semi-écoute. Ouais, il y avait une écoute, genre ça rentre par une oreille, ça imprime ce que ça veut Voilà, et. mais pas incroyable. On a tous été les mêmes enfants. Maman, si tu m'en gardes, ce qui n'est pas du tout le cas, bisous, je t'aime. Voilà. Mais c'est vrai que je n'aimais pas le rôti à l'ail et t'aurais pu arrêter de le faire plus T'aurais tôt, pu quoi. arrêter de le faire ce rôti à l'ail, putain. Il joue un parangon lance noir, tu vois, Ouais. je viens d'imprimer là. Parangon Lancelot. C'est un parangon Lancelot, bah il tient une espèce d'un ersatz d'Amberclive. Est-ce que là tu fais pas un sonnet Ouais, d'alerte c'est sur sûr. le trade gratos, non? Ça fait un prank de moins sur Winota, mais. Genre la Incroyable. value est quand même bien. Chez les mamans, il y avait la non-écoute et cette fameuse de, ah, t'aimes bien ça, je vais te l'acheter. Mais pendant des années, à t'en dégoûter, tu vois. Ah ouais, t'aimes bien les produits pasquis? Tu vas manger du produit pasquis. Je crois que il a genre perdu là sur sa phase de d'attaque là. On est d'accord qu'elle n'était pas incroyable. Je voulais pas en faire Ouais. mention pour rester Ah poli, vraiment, mais. c'était insanement nul. Insane, pas bien. Un bruit. Et là, tu vois, c'est bien. T'as pas joué le grand serpent, du coup, t'as pu faire sonner l'alerte et tu joues ton grand serpent à Mais 3. bien. Into la Winota qui fait et le mec meurt. Bon, il y a que deux procs après. Excuse-moi, que de proc. Pour 4, je vais mettre un board. C'est vrai. Quand même. Pas de boulot cul. No Là, il va boulot faire que. quoi? Il va mettre une 4-3. Ah, mine 4-3. Mine Mais on 4-3, je te s'en punis fout. instant, On quoi. s'en fout si tu fais ça. Mets ta Si tu fais 4-3, ça, tu as Nina. perdu. Mets ta 4-3, je te punis tout de suite. Eh bien. Oh là Mais tu vas prendre là, mais du Amberclive, coup, on du coup. punit quand même. Bon, Oh, j'attaque c'est fou. Amberclive Ah, là. bah oui. Ah, quand t'as une 3-3, ouais. Ah, Merde! merde! Mais gros, c'est passé direct. C'est qu'il a aucune interaction, mais genre il avait vraiment genre zéro interaction le mec. Mais d'habitude, il y a un stop Ben avant ces oui. débloqueurs et un stop après. Putain, et nous on raconte de la merde comme ça Non, et on perd mais le là létal! vraiment, il y a un stop qu'il n'y a pas eu. Une erreur. Il devait être en Bon mode voilà. passé. Tant pis. Désolé. Bon, après, il passe juste un tour à se faire saucer du coup. Ouais, mais bon, c'est quand même pas fou quoi. C'est quand même pas fou. Je suis fort déçu. Sachez-le. Mais vraiment, pranké par le jeu. Complètement. Oh Bon, l'erreur. après, si c'est pour perdre plus tard. Oh l'erreur du joueur. Ah, ça va. Buff avec shot en boîte. Je fais quoi là? Je fais de nouveaux tie-breaks, hein. Ouais, vaut mieux, ouais. Seulement avec, avec ça d'ailleurs. Oui, parce que si en fait tu Là, il fais peut ni le tie-braise. gust, ni l'acte cruel. Il peut que l'éliminate. Si, il peut l'acte cruel. Il retire 3 marqueurs, ça le tue. Ah, bien vu. Et en réponse, je fais tie-breeze. Ouais, moi je dirais vas-y, phase d'attaque. C'est bon, il est en phase d'attaque. S'il me fait acte cruel, je tie-breeze en réponse. Du coup, il est 1. Ça va. Faut que tu laisses les blocs résoudre, par contre. Ouais. Donc là, je fais suivant. Et il peut juste bloquer et dire ok, tu vois. Y a pas de bloc, attente. Hein. Après, si c'est Gust, ça diminue pour Winota. Hein. Ouais. Je mets quand même au-dessus. Ouais. Et 33. Fine. Finality. Putain, j'allais dire que je vais avoir en foil bientôt. Ah, tu vas prendre foil la petite Eh Fine oui. Finality. Oh, c'était cadeau. Oh, c'est une belle carte. J'ai pris un petit temple du vert noir aussi en foil. Ah, ça m'emmerde un petit peu ce qu'il vient de faire. Je sais pas Un comment peu le faire. chiant. Un peu chiant parce que là, Tybrez est pas incroyable. Là, il va beat down. Après, on a lieutenant Ça sur bloquera bien. Tybrez solide. Hein. Ah, donc je Tybrez, parfait. On ne savait pas.
Pareil, là ça prend ni Eliminate, ni Gust, ni Acte Cruel. Et ça, ça fait plaisir quand même. Régalade. Acte Cruel enlève un marqueur. Pas fou. Ça prend Printer. Ah, ça va, il a pas tout. En fait, il joue Grixis aggro, alors qu'on pensait qu'il jouait Grixis Control, mais en même temps, il avait mis des brasses. Mais c'est ce qu'il fait. Je pense qu'il joue Grixis Adventure. Avec des clubs. Mais qui fait une très mauvaise sortie. Je sais pas. Ouais, ouais, peut-être. Oh non, eh oh, si les atouts, ça va 2 secondes aussi. Bien vu, quoi. Tu sais que s'il fait vras, 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 il nous tue au géant. Bah ben ouais, je sais bien. Vras, 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 toulou, toulou. Je crois que là, c'est patron, un point. Et Et si l'attaque, on passe à 2 et on accepte de mourir sur un ouais, bon crusher. Ah, il aura tout eu, quoi. Ouais. Avec des fois, l'adversaire a tout, faut juste le laisser gagner. On va pas chercher on passe à la prochaine, t'as raison. Il dit juste, bon, bah t'avais tout. Puis comme ça, on voit l'enclos pour la 3, ça fait plaisir. Bon, et s'il attaque, ça veut quand même dire qu'il a tout. Oh, je peux bloquer. On meurt. Hein. Non, on meurt. On meurt ? Ouais, ouais. T'es sûr ? Moi, j'aime bien essayer de gratter un peu de win rate quand même, tu vois. Ah, si, bloque. Non, quoi, pour les besoins de la vidéo, non, on peut pas bloquer. Non, on bloque pas. C'est pour les besoins de la vidéo. On bloque pas. Et, oh, s'il est Umberclive. Ouais, j'ai dit, il fait Umberclive, on est mort. Ça aurait été fou. Il veut où tu en réponse ? Ah, mais Winota. Il est méchant comme ça, tu penses ? Winota. Ah, putain, on pouvait presque faire Time Race là. S'attaquer 1, 2, 3. Et on pourra peut-être Time Race, hein, avec les procs de Winota, mec. Hein. Non, ça compte pas. Ça compte pas ? Ouais. Merde. Je vais tricher. Mais qu'est-ce que tu joues, Nina ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je comprends pas, moi, ça. On va attaquer. Ouais. Je garde ça en bloc. Oui, oui. Ah bah, si on est mort, si donc. Si on est mort, donc oui. Il joue déni tourbillonnant, quoi. Il veut pas se prendre de Krasis. Mec, il a une créature et que des contres. Je sais pas ce qu'il joue, je comprends toujours pas. Merde. Putain, j'ai démonté le micro, pardonnez. Merde. Bah, du coup, on va rentrer des bonnes crushers, nous aussi. Ça a l'air bien. Bah. Et il a plein de créatures, il a des 3-1, il a des emprunteurs, il a. Oui. Donc, c'est pas si mal, quoi. Moi, j'aurais mis des bagarres de bonnet rouge. J'aime bien comme ça, moi. Ah, regarde, des patrons, non ? Après, patron, contre un jeu créature, c'est moins puissant. Comme ça, j'aime bien. Ouais, il a pas beaucoup de créa. Ben, pour l'instant, on a quand même vu bonne crusher, emprunteur. Il doit peut-être avoir des Murderous Rider s'il joue toute la chale aventure. Ouais, moi aussi, c'est bon comme ça. Il a tout ce qui finit en heure. Et comme on commence, patron, c'est fort, quoi. Winona Rider, effectivement, c'est sur le play. Il est joli, Winota, tu crois ? Un Grixis ? Un Grixis ? C'est marrant visuellement ce que t'as fait là. C'est la folie. Mmh. Allez, t'as pur. C'est le visage de la folie. Je prépare un film là. Ils ont pris un très grand acteur. Laissez-moi vous dire que. Ils avaient du budget. Ils ont dit combien à Val ? Il a dit 10 euros. Oh là là, le mec qui me veut dans un film, il sait pas dans quoi il s'engage quoi. Toi tu sais parce que tu prends les photos déjà. Je sais. Ouais. Et tu connais mon talent d'acteur, c'est incroyable. Il y a une espèce de. De nom. Ouais, mon être n'est pas fait pour l'acting. C'est vrai. Il y a une espèce de maladresse en fait, constante. Mm. J'ai même vu d'autres exemples. C'est dommage, j'allais jouer le Joker 2, je refais. En vrai, il y a un recruteur dans la salle. Là, tu vois. Et il voit, il se dit putain. Il est Joachim, bon, ça dégage. Il s'ignore. C'est lui. Ce mec s'ignore. C'est un gars qui sous-estime. Ouais, moi, je me croise dans la rue, je me regarde pas, tu vois. C'est dur ça. Ah ouais, tu t'ignores. Moi je me vois dans un miroir, je me regarde, tu vois. Ah moi aussi, hein. Ah, il est mou. Ça, là c'est il est bien. Mou encore une fois. Percepteur de dîme. Déjà, tu fais une sortie avec deux bêtes qui sont chiantes. Qui se protègent. Ils sont chiantes, on va le dire, c'est bien. Percepteur Dim, on l'avait dit dans une vidéo. Hein. Ça fait chier, mettez-le. Ça fait chier, c'est bien. Non, protège. Bah non. Ah non, tu veux avoir le rip-up ? Ouais. Ça, tu le gardes pour une meilleure bête. Ah, c'est vrai que tu gardes autant de points de dégâts, de toute façon. Ouais, t'inquiète. Ah, bien vu. C'est bien. Oh, bah là, c'est Temple, Percepteur. Temple et le chiant. Et on refait chier. On refait chier là ou ouais. On garde ça pour. Non. Ouais, faisons chier, t'as raison. Pour gérer en fait à sa phase d'attaque. Enfin, à ta phase d'attaque. Faites-le bien chier. En vrai, là, c'est juste petit Amberclive hein, qui va tomber ton prochain. Ouais,
sur le percepteur. Quand elle tombe, l'Umberclee, ça fend le crâne. Percepteur, il dit donner l'impôt, et en même temps, pouf, il te scinde. Tu donnes. Net. Tu donnes et il te coupe en deux. Comment ça, vous avez pas le compte. Il met deux coups en plus. Il en manque une. Horrible. Vraiment un percepteur pas sympa, quoi. Mais tu sens qu'il est prêt pourtant, à... il a un espèce de petit canif, là, tu pour sens un peu te tripoter les gencives. C'est une trique. Putain. Comme le troll. Le troll à la trique. Le troll à la trique. Une vraie carte Magic, ça me faisait beaucoup rire. Ça me fait toujours un peu rire, d'ailleurs. On brasse, là. Ah oui. Avec tout. Avec tout. Ça lui coûte cher s'il veut interagir, donc... Ok, je pense que non, il vaut mieux juste dire ah ok. Ah oui, on est con. Et tu mets Time-Rise, hein. Time-Rise sur son sur la Weeblock. Rapilé, il est du père, il est en mode je bloque quoi. Bloque. Bah du coup tu vas pas Death Touch, poteau. Oh, putain, j'adore ce deck gros. C'est bien. Je te le dis, j'adore ce deck. C'est bien. Sonneur. Et tu reprends 5. Voilà. Juste qu'il n'est pas extinction, Evan, s'il vous plaît. Ça te laisse le chien. Que tu pourrais équiper, mettre 4. Il passe à 6. J'ai quand même pas envie, tu vois. C'est vrai. Ça m'emmerderait quand même un petit peu. Oh, si, il faut qu'il fasse Biland, je paye 2 PEV. Extinction Event, il te laisse le chien. Tu l'équipes, tu le mets à 2 et t'as Jean Krakos. Ben je prends. Oui. Faut que je repaye après pour équiper. Pas grave. Ouais, non, tu peux protéger en vrai. Je peux protéger. Je crois qu'il est aux fraises hein, si tu fais ça. En vrai. En fait, il est là en mode. Il l'a vu. Eh oui, je l'ai vu, oui. Il a vu que son chien avait en effet. Parce que du coup. Voilà, il est dans la merde là maintenant. Il est à 1 actuellement. Il est mort actuellement. Écoute, va falloir trouver une solution, Nina, parce que là. Et c'est... une bonne. C'en est une pas mal. C'est pas mal. C'en encore Tybrest qui disparaît. Hein. Winota, ça fait un proc. Proc hein. Ah ouais, ouais je crois qu'on y va. On y va. Oui. Oui, on y va. Je réfléchissais s'il y avait un scénario perdant et il y en a. Mais losing scenario. Mais c'est pas grave, tu vois. Oh, ça va, on met 5 quand même. Il est bientôt mort. Il est pas loin. Bon, là, on veut pas Extinction Event. Merde. Voilà. Ouais, là, on veut pas du tout. Après, en vrai, derrière, je fais Percepteur. Percepteur avec géant up. Yes, voilà, c'est le meilleur deck. Ne me demandez pas plus, selon. Et on ne tournera pas de dernière vidéo, de match supplémentaire. C'est bien, là. On va éviter une potentielle catastrophe. Non, mais pas du tout. En vrai, je pense que ce deck, il est vraiment, vraiment en fait, fort. On va finir mythique top 1, là, si on continue. Ah, c'est vrai. Mais ça va prendre du temps. On pourrait le mettre dans le titre. Oh. On passe top 1 mythique avec le meilleur deck du format. Et vous voyez qu'on finit plat de 4, mais c'est menteur, en fait. Et oui. C'est salaud. Ouais, menti. Là, il est vraiment bien ce deck. Bah, trop sweet. Voilà, j'ai envie de jouer ça. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement si elle vous a plu. Vous pouvez faire tout ça, vous pouvez ne pas faire tout ça. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Comme vous en tout cas, ça nous régale. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description. Avec le Discord de l'Arena Summer Cup. Oui. Pour ceux qui veulent suivre le tournoi, etc. C'est la. Au moment où vous voyez cette vidéo, c'est la semaine. La première semaine de tournoi avec le standard. Ouais, bah, je joue mon match demain à 17h d'ailleurs. Voilà, si donc tu peux dire la date pour ceux qui ne voient pas la vidéo de lundi. Ce sera le mardi 11 août à 17h sur mon stream, sur le stream de Swift et sur le stream de J-Rock parce qu'il va me caster en direct avec Charles. Oh, nice. Ah oui, c'est vrai que tous les matchs, même si c'est de l'unifié, ne sont pas en même voilà, temps. Voilà, on essaie de donner de la visibilité, enfin de donner un maximum d'endroits où voir les matchs pendant cette Arena Summer Cup. Régalade, ouais. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé, j'aurais pu cast. Bon, il y a déjà des gens très compétents qui le font. Ouais, Ton match et inversement. J'ai découvert ça, je ne savais pas qu'ils allaient. En fait, le but, c'est que J-Rock et Charles vont chacun cast leur poulain parce que Swift est dans la team de Charles. Ouais, et moi, je suis dans la team de JE. Mais tu peux aussi me cast et du coup, moi, je stream pas. Genre, tout est faisable, tout est imaginable. Après, c'est mon stream à la base, tu vois. C'est mardi. Donc ça te permettait aussi. Je suis pas dispo, je crois mardi. Voilà, ça te permettait d'être off, mais de toute façon, tout est jouable pour la suite. Nous verrons. Si vous voulez nous voir ça, rejoignez le Discord, vous verrez où est-ce que vous pouvez voir les matchs. Voilà, mais surtout si vous voulez voir nos lives, c'est sur la chaîne Twitch, notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. C'est ça que je voulais dire. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.